Alors, si on regarde sur les 2 dernières années, la publication probablement qui est intéressante dans les rectites réfractaires, c'est l'utilisation du tacrolimus avec une étude qui est une étude contrôlée, randomisée, faible nombre de patients, et puis rectite, mais rectite qui monte éventuellement un petit peu haut, ce qui est étonnant parce qu'ils utilisent finalement une pommade rectale reconstituée à des taux qui sont peut-être difficiles à faire. Je sais que Xavier avait essayé de le reproduire, avec en critère primaire d'évaluation l'amélioration clinique, critère secondaire la cicatrisation muqueuse. Alors, ce n'est pas nouveau, ces Australiens, ils avaient déjà publié il y a 10 ans une petite étude prospective sur la rectine réfractaire avec des excellents résultats. Peut-être, après, ils l'ont encore utilisé, puis ils ont décidé de sortir une étude randomisée. Des Néerlandais, un peu en parallèle, avaient fait une étude. Alors, cette étude qui donne à peu près les mêmes résultats, il y a des excellents résultats, et ils avaient scindé rectosigmoïdite où ils avaient mis des lavements et rectite où ils avaient mis des suppos, ce qui, à mon avis, dans l'idée, est assez intéressante. Et ils ont des meilleurs résultats sur les rectites en suppos avec une réponse à 10 sur 12, mais là aussi non contrôlée. Alors, l'intérêt, c'est qu'effectivement, quand on dose les taux circulants, on n'est pas embêté avec des taux de tacrolimus toxiques, contrairement à l'utilisation qui a été faite en essai avec en injectable ou en oral. Et donc, peu d'effets secondaires. Les résultats sont quand même très intéressants parce que ça, c'est leur objectif primaire en réponse clinique, mais les objectifs secondaires en cicatrisation muqueuse, ils sont à 80%. Ils ont même interrompu l'étude, disent-ils dans l'étude, parce qu'ils avaient trop bons résultats pour des raisons éthiques qu'ils ne voulaient plus tirer en placebo. Et puis, ils posent des questions intéressantes. Le long terme, ce n'est pas très absorbé, ça marche très bien. Ça mériterait d'être poursuivi. Est-ce qu'on peut majorer les doses pour rattraper les quelques qui ne répondent pas? Est-ce que dans les situations difficiles, comme les push-it, ça mériterait d'être essayé parce que là, c'est fréquent et on est un peu bloqué? Et puis, est-ce que c'est valable dans le Crohn? Alors, dans le Crohn, je dirais, ça a déjà été un peu fait. Ça, c'est l'étude initiale de pédiatrie, mais vous voyez, c'est en 2000, probablement qu'ils n'avaient pas les biothérapies en pédiatrie. On sent quand on lit le papier qu'ils étaient en dernier lieu avant la chirurgie, c'est un papier un peu cata où ils ont essayé, ça s'est un peu amélioré, ils ont eu des effets rebonds, des complications, ils n'ont pas poursuivi. Peut-être plus intéressant le papier de CAM un peu plus tard, mieux cadré, avec d'un côté les fistules, de l'autre côté les ulcérations. Sur les ulcérations, alors c'est des petits effectifs, mais ils sont toujours à 70-80%, ça répond. Alors, Guillaume me dit, dans le cadre libéral français, c'est là où ça se complique. Vous avez soit les immunosuppresseurs oraux que vous essayez de reconvertir pour en faire une pommade, mais c'est un peu compliqué, c'est pas la MM, c'est cher, etc. Est-ce que vous êtes autorisé, et c'est pas du tout le message du jour, à utiliser le protopique qui est du tacrolimus? Alors, 0,1%, c'est la pommade adulte, ça fait 1 pour 1 000. On doit être proche des 1 mg gramme des pommades qui sont utilisées dans les LAP et pas très loin finalement de ce qu'ils utilisent dans les rectites. À mon avis, il faut éventuellement refaire un essai avec ce genre de matériel, mais je ne peux pas vous donner le feu vert, bien que les résultats soient très intéressants. Alors, quand ça ne marche pas, effectivement, vous avez une rectite, c'est invalidant. Si les traitements classiques ne marchent pas, il faut monter en puissance. Je n'ai pas de réponse sur les nouvelles biothérapies, notamment dans l'indication de rectocolite hémorragique. Je n'ai pas trouvé ciblé que sur les rectites, mais quand vous reprenez l'infliximab, il n'y avait rien. Ça fait 15 ans qu'on l'utilise, 20 ans, on n'a rien de ciblé. Mais quand ça marche, ça marche. Et ça marche plutôt mieux sur les rectites que sur une rectocolite sévère quand ça marche. Actualité, alors l'étude est un peu plus vieille, mais je l'ai pris en actualité parce qu'il y a une MM européenne sur le budesonide MMX qui est censé se diffuser sur tout le côlon. Quand vous reprenez l'étude corps 2, ça marche, c'est versus placebo, vous le retrouvez ici en spot. Ça ne marche qu'à 9 mg, de toute façon c'est la formule qui est commercialisée. À 6, ça marche beaucoup moins bien. Et paradoxalement, c'est toujours intéressant de revenir sur l'étude. Comparé au budesonide classique,
Dans cette étude, la différence n'était pas significative. Le souci, je vous l'avais mis parce que ça devait être commercialisé, ça l'est, mais le prix, ils ne se sont pas mis d'accord, donc ce ne sera pas remboursé en France. Si vous l'utilisez, c'est en association au sein CASA. Et là aussi, je n'ai pas de spécificité sur les rectites qui n'ont pas été isolées. Les corticoïdes dans les rectites, l'actualité en France, le colophon est toujours en rupture. Ne substituez pas par du bétinésol, parce que là, vous faites une corticothérapie générale forte. Ce n'est pas du tout le même produit. Je n'ai pas de données sur les lavements plus 5 ASA, ce que j'appellerais le protocole Modigliani, parce que c'est lui qui nous l'avait montré. Et souvenez-vous que quand vous faites des lavements, 4 heures après, 90% de vos lavements n'est plus dans le rectum. Ce n'est pas une très bonne réponse au rectite, par définition. On n'a pas le budesonide boue sous lavement. Les papiers, quand on revient sur ces papiers-là, finalement, ils ont une équivalence avec les lavements de 5 ASA. Ils ont une puissance modérée. Et je vous remets ça pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est, moi, je manie beaucoup ça en pondérant le soluprède. Je descends à 30 ou à 20 pour ne pas avoir trop d'effets généraux. Voilà, vous faites faire avec un peu de beurre de cacao et ils vous le font. Et si vous mettez la petite phrase devant, en général, ça peut être remboursé. Fini pour les rectites, les LAP. Peu de nouveautés, peu de travaux dédiés, en particulier sur les dernières années, enfin sur les 2-3 dernières années, c'est pourtant 40 à 50% de vos patients. Avec une qualité de vie, ça c'est un papier un peu plus ancien, qui est catastrophique quand ça se déclenche. C'est vraiment un gap pour eux, quoi. Là j'ai repris le papier de Lehmann, j'aime bien présenter ça. Quand ils font une LAP, en général, leur vie change, ils s'aggravent avec des dégâts, etc. Donc c'est quand même un sujet très important. J'aurais aimé avoir des PRO comme pour l'érectite. C'est vraiment un travail qu'il faut faire parce que quand on n'est pas très bon, on ne peut rien leur promettre quand il y a une LAP. On essaye de tenir les choses. Puis quelquefois, on a des choix thérapeutiques. Ce serait intéressant d'avoir en face le moment de vie des patients, leur PRO. Juste une petite anecdote. J'étais à Berlin sur le congrès de chirurgie colorectale. A pris la parole un monsieur qui est un patient, mais qui est un avocat italien, qui est président de l'Association européenne. Et il a parlé un quart d'heure. Il a eu des trucs. Il a une maladie de Crohn un peu compliquée. Il vous dit, la plus mauvaise période de ma vie, c'est quand je suis rentré dans la maladie avec une LAP à 19 ans, parce que c'était 19 ans, parce que j'étais pas calé, parce que, etc., etc. Donc c'est des choses intéressantes. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Méfiez-vous de ce genre de papier sorti en 2016, méta-analyse sur résultats médicaux, chirurgicaux dans les LAP. Si vous lisez l'abstract, on vous dit qu'il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de stratégie. Si vous lisez la discussion, parce qu'ils sont trop factuels, ils cherchent des RCT, il n'y en a pas. Et puis dans la discussion, ils disent oui, quand même, il y a un consensus médico-chirurgical sur des cohortes, prospectives ou rétrospectives. Là, j'ai cité les deux françaises qui ont été publiées, Rennes et Toulouse, où en fait, vous faites quand même très bien quand vous faites du médico-chirurgical parce que vous les améliorez. La petite courbe là qui est derrière, c'est qu'il ne faut pas oublier de bien caler le traitement médical quand ils ont moins d'infleximab. C'était le cas dans cette étude, ça marche moins bien. Alors justement, sur l'infleximab dans les LAP, il y a un papier en 2007 qui s'est amusé à doser. Ils ont pris finalement toutes les fistules traitées et ils ont dosé l'infleximab. Et ils se sont rendus compte que ils ont classé après avec sans cicatrisation, c'est-à-dire échec ou difficulté, et puis cicatrisation. Et ils avaient une différence hautement significative avec une aire sous la courbe de corrélation assez fiable. Ils ont après repris les niveaux, alors ils ont comparé cicatrisation muqueuse, fermeture de fistule, et puis cicatrisation de fistule, ils se rendent compte qu'effectivement, on est sur l'équivalent pour arriver à obtenir un bénéfice dans les fistules. Il faut être à des taux de cicatrisation muqueuse. Avec un cut-off, il faut être au moins au-dessus de 10 microgrammes. En tout cas, c'était les conclusions qui étaient confirmées entre 10 et 20. Si vous montez encore plus haut, là, vous ne gagnez plus beaucoup. Donc, dosage peut être intéressant dans les LAP. Sur les nouvelles biothérapies, là aussi, je n'ai pas trouvé, ce n'est pas ciblé actuellement non publié, pas de données vraiment factuelles sur l'ustekinumab, sur le vedolizumab, bien qu'il ait été retiré. Là, j'ai un petit warning. Les molécules, les biothérapies, pour les LAP, il faut des molécules qui marchent rapidement et qui soient puissantes sur l'inflammation.
C'est pour ça qu'on utilise volontiers l'infliximab. Le vedolizumab, il n'est pas tout à fait dans ces critères-là. J'ai deux histoires un peu compliquées où on a fait des pompes corticoïdes, on a attendu voir si ça marchait et on a aggravé la situation suppurative de ces patients. Attention, donc dans l'immédiat, optimiser les anti-TNF, doser, être sûr que vous êtes en bon, voire il y a des études qui sont en cours pour essayer de doubler les doses et de voir si on fait mieux. Sur le plan chirurgical, cette étude est intéressante, elle est de 2016, intéressante sur trois points. D'abord, c'est une étude randomisée, contrôlée, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est plutôt sur le versant chirurgical parce qu'elle a testé finalement l'injection de cellules souches au niveau des trajets fistuleux. Deuxième intérêt de l'étude, c'est que en injectant ces produits-là, on fait un peu plus que de la chirurgie de fermée. On améliore le microclimat en essayant de changer l'immunomodulation locale. C'est ce qu'on avait tenté de faire en injectant de l'infliximab, mais que c'est un petit peu compliqué avec des résultats très discordants. Et le troisième point de l'étude qui va peut-être changer un peu les choses, c'est que c'est de l'allogénique. L'allogénique, c'est-à-dire que c'est sorti de patients qui ne sont pas les mêmes patients. Donc, c'est des choses qui arrivent en kit et qui sont utilisables. Alors, je ne sais pas à quel prix. Et que derrière, il y aura peut-être de la commercialisation. Je ne sais pas à quel prix. Alors, les résultats, 50,35%, vous allez dire, c'est faible. C'est de la phase 3, 49 centres, 200 et quelques patients. Donc, ils sont un peu moins bons qu'en phase 2, mais probablement qu'il y a une dilution un petit peu. Et puis, ils fermaient, d'où l'effet placebo qui est un peu haut. Puis ça, c'est intéressant, vous vous rendez compte qu'il faut avoir un bon traitement médical associé parce que vous boostez les résultats. Si vous n'avez pas de traitement médical associé, vous avez du mal à avoir l'effet. Toujours sur les cellules souches, et c'est ce qui sort un petit peu, ça va peut-être ce qui va modifier un peu les choses. Ça, c'est un petit essai de phase 1, mais ouais, on peut tout faire. Ils ont mis, là, c'était l'autologue, ils l'ont mis sur un plug. Et ils ont des très bons résultats en phase 1, y compris sur l'IRM. Donc, il y a des idées à faire. On change, je pense, l'état local. Et puis après, pour finir, on a réussi à publier les recommandations qu'on avait faites avec la société de Coloprocto, qu'on a fait en 2014, et puis que j'ai rapproché de ces recommandations qui étaient faites aussi en 2014, qui sont un peu différentes des recommandations ECHO. Quand vous regardez ECHO sur la Procto, on a l'impression qu'il y a un petit catalogue, c'est vous pouvez faire ça, c'est où, et puis c'est vous qui décidez. Là, ils ont mis, nous on a des chirurgiens, là ils ont mis des chirurgiens aussi, il y avait des gens de la SCP pour essayer de donner des idées un petit peu plus précises, mais sur des avis d'experts à ce moment-là. C'est ce qu'on a essayé de monter, mais publication comme ça, c'est difficile à utiliser pour vous. Cette année, on a essayé de sortir sur les... Alors, c'est Dominique Bouchard qui s'y est attelé. L'idée, c'était d'essayer de sortir des algorithmes pratiques, pragmatiques, pour être décisionnel, avec un texte très court qui donne une catégorie des recommandations en grade de recommandation. Je ne sais pas comment on va en arrière, ouais. Sur des grades de recommandation, mais aussi parce qu'on est obligé dans la Procto des accords professionnels, voire des avis d'experts. On l'a fait, si possible, voilà, on y a passé l'année avec des retours. On était une quinzaine à travailler dessus. Dominique était aux manettes. On a sorti 9 algorithmes. Je ne vais pas vous passer les 9, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ce n'est pas des algorithmes trop simple, mais pas trop compliqué non plus. Celui-là, il est assez simple, c'est l'ulcération anale. Finalement, quand on regarde, le seul grade B, c'est de drainer les fistules. Ça, tout le monde le fait sur des ulcérations sévères, mais on n'est qu'en grade C. On a zéro étude contrôlée. Puis on a toujours des zones grises. Et là, par exemple, sur cette zone grise où on avait mis l'éthiopurine, on commence à lever le pied. Le niveau de preuve sur l'éthiopurine dans les labs, il est quand même très, très faible. On a Pearson 96, on a une Cochrane qui est négative. Et après, c'est des bénéfices de second degré. Illustration là aussi, traitement d'une fistule jamais traitée, on draine s'il y a un abcès, etc. Et là, on a lâché, nous, un peu, que les proctologues. Si vous avez une fistule active en IRM mais qui n'est pas symptomatique, vous faites une IRM. Si c'est simple, si la collection est petite, finalement, on lâche en disant, finalement, probablement pas de chirurgie, surveillance, et on voit ce que ça donne. Aussi pour le confort des patients, parce que sur la suite, on n'est pas toujours très bon. Et dernier algorithme à vous montrer, là, échec
d'une prise en charge de l'app, il faut se poser des questions. On refait une IRM, on a une fistule active, même si on a une petite collection ou un peu plus grosse, la question n'est pas forcément de se précipiter à la chirurgie parce que sur l'IRM il reste quelque chose, c'est de se poser la bonne question: est-ce qu'on a contrôlé la maladie inflammatoire ou est-ce qu'on ne l'a pas contrôlé? Si on est drainé, pas contrôlé inflammatoire, même si on garde un petit abcès, etc., on surveille, on met un peu d'antibio, mais on booste, il faut qu'on soit contrôlé. Si on est bien contrôlé, qu'on vient d'enlever le trajet, qu'on a recollecté, ça c'est de la chirurgie, et on va en chirurgie. Voilà. Donc ce sera bientôt disponible, on est encore en train de les affiner, et on en veut, on voudrait que ce soit des outils, notamment pour les gens qui font moins de procto et plus de Mickey. Je vous remercie.